Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à plusieurs demandes pour le problème que beaucoup de personnes rencontrent sur le jeu Mario Run sur Android, je fais ce petit tuto rapide. Non seulement pour fixer Super Mario Run avec le code erreur de support 804-5100, mais aussi de corriger les erreurs pour les joueurs qui ne peuvent pas se connecter à leur compte Nintendo. Pour cela, vous avez besoin d'une application Root Explorer pour explorer les fichiers système et le modifier pour fixer Super Mario Run qui rencontre le code de soutien 804-5100, Force Close Error. Les utilisateurs non routés peuvent essayer par l'effacement des données à partir des paramètres d'application. Pour cela, allez dans Configuration ou Réglages. Puis dans Application. Vous cherchez Super Mario Run. Et vous accédez à Stockage. Et en dernier, vous effacez les données. Ceci supprimera le gameplay précédemment enregistré et vous devez recommencer. Si vous rencontrez toujours l'erreur, il y a une autre solution qui peut être appliquée sur les téléphones routés. Pour résoudre Super Mario Force Close Error sur un périphérique ou un smartphone routé, vous devez modifier un fichier XML lié au jeu. Donc toujours vous téléchargez ou vous installez Root Explorer ou ES File Explorer du Play Store. Vous ouvrez l'explorateur de fichiers et acceptez l'autorisation root si vous êtes invité à le faire. Maintenant, pour retirer le jeu de l'arrière-plan, allez dans le répertoire suivant sur le stockage interne de l'appareil. On va aller sur Data. Puis encore sur Data. Dessus, on va chercher com.nintendo.zara. Et dans ce dernier, on accède à Shared Pref. Vous cherchez le fichier deviceaccount.xml et vous devez le supprimer. Vous pouvez lancer le jeu juste après cela. Ceci est la meilleure façon pour résoudre le problème Super Mario Run, code de soutien 804-5100, Force Close Error. En attendant que le bug soit corrigé, vous devez refaire la manipulation à chaque fois que cela vous donne cette erreur. Petit conseil, pour ne pas recommencer le jeu depuis le début, synchronisez le jeu Mario Run avec votre compte Nintendo ou créez-en un. Cela permet de continuer là où vous êtes arrêté, au niveau du jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je ferai en sorte de vous répondre. En attendant une mise à jour pour corriger les problèmes, j'espère que cela va vous être utile et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. En attendant de nouvelles vidéos, je vous souhaite une agréable journée, portez-vous bien.